Pour poursuivre nos rencontres, on est en compagnie d'un auteur et artiste bien particulier. Il s'agit de Steve Potvin, qui souffre de paralysie cérébrale depuis la naissance. Il est résident ici même à la baie. Il nous présente son premier livre, un essai autobiographique. Il est en compagnie de son éditeur, M. Pascal Thibault. Écoutez, bienvenue à tous les deux. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis bienvenue à TVDL. Pascal, je vais débuter avec toi parce que c'est ça. En fait, du côté des éditions Espoir, c'est une espèce de retour. On avait pris une pause dernièrement. On avait décidé de se retirer. Finalement, on revient à la charge avec ce beau projet-là, un livre qui s'intitule « Mon chemin parcouru vers ma dignité ». Qu'est-ce qui a amené les éditions Espoir à reprendre du service? Écoute, c'est sûr, je te cacherai pas que quand les gens l'ont su, il y avait beaucoup de gens qui étaient tristes de ça. Parce que, on est quand même une maison d'édition qui donne la chance aux auteurs, dont c'est le premier ouvrage. Mm-hmm. Puis, au niveau de la région, c'est important. Il y a des gens qui disaient non, vous devriez continuer. Lâchez pas comme ça, même si c'est difficile, parce que tu sais très bien avec les coupures qu'on a eues avec notre ancien gouvernement, des millions de dollars qui ont été coupés dans le domaine de la culture. Là, c'est en train tranquillement de se réajuster. Mais nous, c'est sûr et certain qu'on ne pouvait pas lâcher comme ça. Puis moi, je t'avouerai franchement que ça me faisait quelque chose. Là, dans mon cœur, ça me faisait mal de dire « bon, on arrête tout ça ». Et j'avais rencontré Steve aux Galeries de la Baie en 2012 dans le cadre d'un de mes ouvrages que j'avais publié. Ce qui m'avait beaucoup touché en Steve, c'est qu'il était venu me rencontrer. Puis moi, je ne le comprenais pas. Mais celle qui l'accompagnait à cette époque, elle m'avait dit, écoutez votre entrevue, puis ça l'a touché. Tout ça fait que, t'sais, provenant de Steve, ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment touché. Oui. Et c'est par la suite que j'ai découvert, par ses peintures, ses toiles, qu'il y avait un fond fort artistique en lui. Oui. Alors, suite à ça, nous, on nous a soumis son manuscrit. Je t'avouerai franchement, ça a été long, parce que, bon, entre-temps, nous, on avait des choses à ajuster. Mais pour nous, c'était très, très, très important de publier ce livre. Oui. Donc, on va revenir un peu sur le volet auteur. Monsieur Potvin, merci d'être venu nous rencontrer ce matin. Ça va bien? Écoutez, on va... je sais, là, on présente un premier livre, un projet qui est vraiment très intéressant. On va pouvoir en discuter, mais je voulais revenir un peu parce que vous faites de la peinture également depuis 2006, c'est ça? Puis justement, la couverture du livre, c'est une de vos œuvres? Non, la couverture a été faite par notre graphiste qui est Marie-Ève. Okay. On lui avait comme demandé un petit peu, avec le livre, si tu ne pourrais pas faire quelque chose qui pourrait un peu aller chercher le chemin parcouru, tu sais. Mais je peux te dire une chose, c'est quand dans un projet, futur un autre projet, il y aurait quelque chose de spécialisé qui va être vraiment rattaché à ses peintures. OK. Là, c'est vraiment son histoire à lui. C'était vraiment, vraiment, il se raconte. Oui. Mais il y a d'autres choses plus tard. Mais avec le côté peinture, il y avait des concours qui avaient été remportés. Le concours de cartes de Noël, je crois. Oui. Donc, c'est ça, il y a à peu près une dizaine d'années. Mmh. Vous peignez encore aujourd'hui? Vous faites encore des peintures, vous en faites, c'est ça. Est-ce qu'on peut les voir, ces peintures-là, est-ce qu'elles sont exposées? Les peintures, c'est sûr et certain que Steve, il y avait une page Facebook dans laquelle on voyait toutes ces peintures. Oui. Et moi, pour les avoir vues, je peux te dire que c'est vraiment beau parce que Steve, il peint d'une façon particulière. Mm-hmm. Il peinture avec son front. OK. C'est-à-dire qu'il y a comme un genre de chapeau avec une peinture au bout, puis il peint vraiment avec son front. Encore moi, là, je ne suis pas patient comme lui. Si j'arrête sa patience, peut-être que je me fâcherais moins des fois. Là. Mais honnêtement, là, de voir un peu sa patience, puis un petit peu comment c'est la minutie, le côté minutieux là-dedans, en tout cas, moi, là, ça me dépasse, tout simplement. Ouais. Oui, bien, c'est vraiment fascinant. Vraiment félicitations pour vos œuvres. Alors là, on va en venir au fameux livre, un essai autobiographique, Mon chemin parcouru vers ma dignité. De quoi ça traite exactement? Bien, Steve, un peu ce qu'il nous parle là-dedans, c'est les côtés tristes qu'il a vécu, les côtés sombres, un peu de sa vie, imprégnés de violence, évidemment. Puis moi, nous, les Éditions Espoir, ça nous touche beaucoup, ces choses-là, parce que on est vraiment une maison d'édition qui prône pour l'amour, l'espoir, le partage, l'abondance.
Et ce qu'on trouvait vraiment, ce qui nous a vraiment fascinés, c'est d'avoir un peu comme un Steve, s'est servi de résilience, s'est servi un peu de son courage, sa détermination pour se sortir de tous ces calvaires-là, comme on dit, à travers un cheminement qui n'a vraiment pas été facile. Il était capable de se réaliser à travers la peinture, oui. À travers l'écriture, qui était un moyen pour lui de libération. Parce que veut pas, je suis bien placé pour en parler, Steve également, quand on écrit, on se libère. On a un message, un témoignage d'amour à passer. Puis moi, personnellement, cette année, c'est vraiment pour nous un beau cadeau que Steve nous fait. Oui, oui. De nous avoir fait confiance, de nous avoir demandé de le publier. Et puis, honnêtement, là, pour Noël, pour moi, je suis comblé. Un très beau projet. Donc, Vraiment, c'est le parcours, c'est les moments plus difficiles. Puis c'est dépeindre aussi cette réalité-là que les gens peuvent vivre dans des situations comme la paralysie cérébrale, je pense. Ouais, exactement. Puis une réalité qui est parfois dure à entendre ou à lire. Ça a dû prendre beaucoup de courage quand même pour faire cet ouvrage-là. Puis écrire ce livre-là, vraiment, chapeau pour l'initiative. Bien sûr, il y a du positif aussi là-dedans, parce qu'on, comme on disait, on voit comment on... Oui, l'espoir un peu, puis toi, tu as un peu le côté détermination, parce que tu sais, François, que même si la population est sensible à ça, on a encore des gens qui critiquent ça, puis critiquent, tendance à critiquer. Mais quand on lit, quand on connaît le parcours à Steve, quand les gens vont savourer, vont commencer à parcourir les pages du livre de Steve, ça va peut-être... Vraiment, là, j'avais peut-être un préjugé, puis là, ça va aider les gens. Ça va rejoindre le monde, oui. Ça va toucher. C'est une histoire de courage, c'est une histoire de persévérance. Exactement. Un parcours de vie très intéressant, vraiment. Ouais. Félicitations pour le projet. Félicitations, M. Potvin. On invite les gens à découvrir ce livre-là, à se le procurer, à l'offrir sous le sapin. Ben on va en mettre un sous le sapin, d'ailleurs. Ben oui. On pourra le faire tirer, comme ça, les gens pourront découvrir ce beau livre-là. Ouais. Est-ce qu'on a un lancement de prévu à surveiller? Le lancement va avoir lieu ce vendredi. Oui. À 18h15 à la Bibliothèque publique de Chicoutimi, salle Marguerite Tellier. Par la suite, on va être en dédicace. Il va y avoir une séance de dédicace à l'abbé, Bibliothèque de l'abbé le lendemain. OK. À la Bibliothèque de l'abbé de midi à 16h30. Par la suite, dimanche à Chicoutimi, de midi à 16h30. Et la semaine prochaine, mardi prochain, mercredi, ils vont être à la Bibliothèque de Jonquière, de midi jusqu'à 17h encore, justement, pour les gens qui vont vouloir se procurer le magnifique livre de Steve, accompagné des personnes des éditions Espoir ou d'un bénévole. Ouais. Donc, une belle tournée de lancement. Ça va être une occasion de vous rencontrer, de découvrir ce beau projet-là. Mmh. Vraiment, je tiens encore à vous féliciter pour toutes vos initiatives, le côté peinture, le côté littérature. J'espère que c'est le début d'une belle aventure et qu'on aura l'occasion de se revoir. Mmh. Vraiment, félicitations. Merci, François. On invite les gens à se procurer le livre en grand nombre. Merci, Steve. Merci à tous les deux. C'était un honneur. Bonne journée. Merci.